Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. Agression du personnel soignant, la crise sanitaire, le recrutement de médecins reste difficile au pays. Une problématique grandissante qui provoque la pénurie de médecins ou encore d'infirmiers. Une situation qui inquiète la population mais aussi le corps médical. Reportage dans quelques instants. Après son arrivée au pays, Patrice Faure, nouveau haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie, enchaîne les rencontres. Aujourd'hui, il s'est rendu en province nord. La troisième consultation, la sécurité, encore la crise sanitaire, des dossiers qu'on abordera avec lui dans quelques minutes. Patrice Faure qui est avec nous depuis nos bureaux de Nouméa. Trop de dépenses fatiguent plusieurs jours de travail. L'organisation des mariages devient un fardeau pour certaines familles. Les coutumiers ont décidé de réformer le mariage à Lifou. Si le district de Wetch a sauté le pas, nous verrons comment les deux autres districts de l'île ont décidé de fonctionner. Pour ouvrir ce journal ce soir, agression du personnel soignant dans certaines communes, comme par exemple à l'île des Pins, ou VA, ou Canala, recrutement difficile, la pénurie de médecins est une problématique grandissante en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes rendus au dispensaire de Ponérewa en province nord pour constater ce manque de médecins. Voyez ce reportage d'Aurélie Chiron. 8 km, c'est la distance qu'a parcouru Émilie ce matin pour venir de Goyeta au dispensaire. À son arrivée, nous lui apprenons qu'il n'y a aucune consultation médicale aujourd'hui, et ce jusqu'à nouvel ordre. Comme elle, ils sont nombreux à penser que le manque de médecins est lié aux violences dont est victime le personnel de santé. Il y a eu plein de vols, et puis des voitures brûlées. Et puis après, c'est les gens de Ponérewa qui en bénéficient des conséquences. Et puis ça va pour les personnes qui ont des voitures. Pour se déplacer après vers Pointe-Imier ou Bouraille ou Wailou. On a juste les prises de sang et les soins. Des incivilités récurrentes qui menacent le bon fonctionnement du service public et participent au sentiment d'insécurité du personnel en dispensaire. Néanmoins, la délinquance ne serait pas le seul frein au recrutement. Quand il y a un défaut cruel de médecins, alors c'est souvent c'est l'été en métropole, c'est l'hiver ici. Les médecins ont tendance à rester de métropole en métropole l'été et à revenir plutôt en fin d'hiver austral. Sur les 24 postes fixes de médecins ouverts dans les CMS, le besoin en médecins va augmenter. Il passe de 6 en juin à 9 pour le mois de septembre. Rajoutez à cela 6 postes de docteurs itinérants non pourvus. On a effectivement une difficulté sur les 3-4 mois qui viennent, qu'on n'avait pas, qui est essentiellement due à l'amélioration de la crise sanitaire en métropole, le déconfinement qui arrive, les beaux jours avec l'été, où on a des médecins qui étaient là, qui devaient rentrer d'ici depuis un ou deux mois, mais avec la situation de Covid-free qu'on avait, sont restés sur le territoire, et qui aujourd'hui prennent la décision avec les vacances qui arrivent en métropole, de pouvoir rentrer, voir leur famille. Et je pense que c'est des médecins qu'on verra revenir peut-être en fin d'année ou en début d'année prochaine. Vincent Maisonnave, médecin au dispensaire de Pointe-Imier, il assure un jour et demi de vacations sur Ponérewa. En attendant les jours meilleurs, l'institution provinciale n'a d'autre choix que de réorganiser ses centres médico-sociaux. Une situation qui inquiète le corps médical. Certains médecins souhaitent partir à cause du cesse sanitaire. On écoute le docteur Thierry de Grélan. Il se trouve que 18 à 20% des médecins du CHT envisagent de quitter définitivement le territoire dans les 8 prochains mois si aucun assouplissement n'est obtenu dans les mois à venir.
dans certains services, c'est 10 à 20% des paramédicaux qui souhaitent aussi, qui envisagent de partir définitivement du territoire, alors qu'ils ne l'envisageaient pas avant. C'est un chiffre inquiétant qui peut remettre en cause vraiment la qualité des soins sur l'ensemble du territoire, puisqu'on a la référence pour les urgences et pour les pathologies les plus lourdes. Je pense qu'on n'a pas d'autre moyen que de lâcher du lait sur le SAS sanitaire, sans mettre en cause évidemment la sécurité des Calédoniens. Mais on risque d'avoir des conséquences en termes de prise en charge médicale plus graves si on a moins de médecins et que les prises en charge ne sont plus réalisables sur le territoire. On risque d'avoir des conséquences plus importantes que presque une épidémie de Covid. De son côté, le gouvernement a déclaré qu'il est trop tôt pour en parler et que des discussions sont en cours avec les partenaires concernés. Politique à suivre, Sonia Abeke s'est exprimée devant le comité des 24 cette nuit pour nous à l'ONU à New York. La présidente de la province sud a demandé que la Nouvelle-Calédonie soit retirée des pays à décoloniser si le non l'emportait au prochain référendum. On écoute un extrait de son intervention. Vous le savez, la situation calédonienne ne ressemble aujourd'hui en rien à d'autres situations de décolonisation. Il n'y a plus en Nouvelle-Calédonie une puissance administrante et un peuple colonisé. L'histoire calédonienne est bien plus complexe et sa situation probablement inédite. Aux côtés de la communauté kanak, ceux dont les ancêtres sont européens, arabes, asiatiques ou océaniens, sont également les enfants de cette terre et représentent plus de la moitié de la population. Leur identité est calédonienne. Depuis près de deux siècles, nos cultures, nos peuples se sont rencontrés et métissés. C'est désormais notre avenir qui nous appartient de construire. L'avenir, c'est la fin de l'accord de Nouméa et la délicate problématique de la désinscription de la Nouvelle-Calédonie de la liste des territoires non autonomes. En décidant par trois fois de manière libre et volontaire de rester intégrée à la France, la population calédonienne intéressée aura exercé son droit à l'autodétermination. Elle remplira ainsi les conditions pour être désinscrite de cette liste. Ma conviction, c'est que ce sera à nous, Calédoniens, de prendre en main notre destin en décidant nous-mêmes quand et comment doit continuer de s'exercer le droit à l'autodétermination. Prendre en main notre destin, c'est construire un projet d'avenir commun qui assure à chacun sa dignité et sa liberté, qui offre à chacun cette terre en partage, dans le respect de sa culture, de ses coutumes et de ses aspirations. On poursuit en politique. Depuis son arrivée au pays, Patrice Faure, haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie, nouvellement nommé, enchaîne les présentations et les rencontres en Nouvelle-Calédonie. Après Nouméa, il s'est rendu en province nord après un geste coutumier. Il s'est entretenu avec Paul Niautine, président de l'exécutif. Patrice Faure, que nous recevons ce soir depuis nos bureaux de Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler de votre prise de fonction et de la manière dont vous allez aborder le dossier calédonien, nous avons appris aujourd'hui la mort d'Yves Dassonville, ancien haut-commissaire entre 2007 et 2010, décédé des suites d'une longue maladie. Une réaction ce soir? Écoutez, d'abord, mes pensées vont à sa famille, évidemment, et à toutes celles et ceux du corps préfectoral comme des territoires qu'il a administrés en métropole comme Outre-mer. Je pense en Martinique, que je connais bien, mais aussi, évidemment, en Calédonie, territoire qu'il appréciait énormément et où il a été apprécié. Et je veux souligner que cet homme de terrain a toujours veillé à organiser des équilibres de façon à ce que justement nous puissions vivre les uns à côté des autres, les uns avec des autres, avec les autres, dans la paix la plus totale et la plus profonde. Et je veux lui rendre hommage aujourd'hui pour ce qu'il a fait tout au long de sa carrière, bien évidemment, mais aussi et surtout ce qu'il a fait en Calédonie où sa présence est encore bien ancrée chez les uns et chez les autres que j'ai vu ces derniers jours. Alors, avant de poursuivre cette discussion sur votre nouvelle fonction, découvrons ensemble votre portrait. Diplômé des CAP pâtisserie, Patrice Faure passera par l'école militaire Saint-Cyr pour entamer une carrière dans l'armée, puis dans les forces spéciales, puis à la DGSE, jusqu'à occuper les fonctions d'adjoint au chef du cabinet militaire du ministère des Outre-mer de 2004 à 2006. Compte tenu des enjeux politiques de la Nouvelle-Calédonie, ce poste sensible devait être occupé par une personnalité qui ait de l'expérience des Outre-mer d'après le Conseil des ministres. C'est le 12 juin 2021 que Patrice Faure prend officiellement ses fonctions en tant que haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie. Il a auparavant effectué sa mission de directeur du cabinet du préfet de Mayotte en 2006, puis devient en 2017 préfet de la Guyane. Ses interlocuteurs de l'époque le considèrent comme un homme de dialogue,
une qualité qui va lui être nécessaire à la vue des missions qui l'attendent en Nouvelle-Calédonie, telles que la préparation du troisième référendum. Alors, Patrice Faure, poursuivant notre entretien, une question d'actualité tout d'abord. Sonia Baquet est intervenue à l'ONU, donc demander que la Nouvelle-Calédonie soit retirée de la liste des pays à décoloniser en cas de non. Est-ce que l'on peut réduire le processus de décolonisation à la question de l'évolution institutionnelle du territoire ? Écoutez, je n'ai pas l'habitude de commenter les décisions, les postures politiques. Elles appartiennent aux politiques qui sont élus. Et moi, je suis un représentant de l'État nommé en Conseil des ministres par le président de la République. Donc, Mme Baquès s'est rendue à New York, et je salue le fait qu'elle y soit allée. Elle s'est exprimée, elle a exposé sa position, qu'il faut respecter, puisqu'elle l'a fait. Pour autant, c'est une position d'un acteur politique majeur du territoire que j'éviterai bien évidemment de commenter. Parce que, comme vous l'avez dit, je suis quelqu'un de dialogue. Et pour dialoguer avec tout le monde, eh bien, il faut se prémunir de tout commentaire des actes politiques. Les politiques font de la politique, ils sont élus, et moi je suis un représentant de l'État et je veille justement à aplanir les différences ou les aspérités entre les uns et les autres, et je tends la main à toutes les parties, à toutes celles et ceux qui veulent construire la Calédonie et son avenir. Alors, vous êtes un homme de dialogue. À peine arrivé, vous aurez justement la charge de l'organisation de la troisième consultation qui aura lieu normalement le 12 décembre de cette année. Alors, comment cela va se dérouler ? Mais écoutez, s'est tenue aujourd'hui une réunion avec celles et ceux, entre guillemets, spécialistes de la liste électorale spéciale avec mon secrétaire général. Je salue d'ailleurs le travail minutieux, le travail aussi passionné de mon secrétaire général, Rémi Basti, et l'ensemble de ses équipes qui, cet après-midi, à l'occasion d'une réunion particulièrement positive, m'a dit le secrétaire général, alors que je rentrais de Koné tout à l'heure, l'ensemble des partis ont accepté le processus qui est en route, c'est-à-dire la révision de la liste générale à partir du premier lundi du mois de juillet, puis les listes spéciales qui permettront justement la tenue de ce référendum. Puis a été évoqué également les bureaux de vote délocalisés ainsi que les procurations. L'ensemble des dispositifs qui ont été proposés à l'Assemblée aujourd'hui ont tous été validés à l'unanimité, ce qui montre la volonté collective d'aller vers ce référendum du 12 décembre de façon extrêmement apaisée, collégiale et collective. Donc je salue justement ces avancées. Certains m'avaient décrit quelque chose qui serait abominable, mais je constate qu'en fait, collectivement, tous ont envie que ce référendum se tienne de façon apaisée. Justement, vous parlez à l'instant des listes spéciales. L'ONU a remis son rapport. Qu'en pensez-vous ? Eh bien écoutez, je n'ai pas à en penser quelque chose. Il y a simplement un certain nombre d'éléments qui sont couchés sur ce document. Et donc, nous allons les expertiser, non pas pour les commenter, mais pour mettre en œuvre des mesures correctives lorsqu'elles s'imposent, bien évidemment, et en totale transparence. Donc, nous le ferons et nous le ferons très vite. Dès la semaine prochaine, nous avons prévu de faire une réunion de relecture de ce document avec les équipes en charge et évidemment avec les communes qui seront en charge de l'organisation de ce scrutin. Eh bien, nous veillerons à l'application de ces recommandations du dit rapport qui nous a été remis au président du Congrès comme à moi-même lundi par l'ONU. Alors, toujours pour parler du référendum, lors de la dernière consultation, la sécurité donc dans certains lieux a été contestée. Est-ce que les moyens humains seront comme la dernière consultation envoyés au pays pour la troisième consultation ? Oui, donc à Paris, dans les différents ministères, notamment au sein du ministère de l'Intérieur et avec le secrétaire général de la Défense nationale, un certain nombre de scénarii sont à l'étude, où les études sont quasi finalisées, avec plusieurs scénarii, trois scénarii, en fonction de la gravité supposée ou réelle de ce que sera la situation sociale et sociétale dans la préparation, dans la montée en puissance de la préparation de ce référendum, dans le déroulé du référendum, bien évidemment, et puis du lendemain du référendum. Nous sommes en train de planifier l'arrivée de troupes complémentaires, d'effectifs supplémentaires, de renforts ponctuels ou pérennes, tant au niveau des services de police que de gendarmerie.
gendarmerie avec l'ensemble des matériels nécessaires également. Nous ferons venir également des équipes logistiques pour nous aider, nous, services de l'État, mais aussi les collectivités, à assumer, à prendre en compte l'ensemble de cette montée en puissance qu'on veut mettre en place de façon extrêmement sérieuse, précise, méticuleuse, de façon à ce que, justement, ce référendum ne soit pas entaché d'irrégularité. Nous avons le nombre de personnes qui arriveront en Nouvelle-Calédonie pour assurer la sécurité. Écoutez, ça c'est la surprise du chef, je dirais. Évidemment, je ne vais pas dévoiler l'intégralité des dispositifs, mais faites-moi confiance, je peux vous assurer que les effectifs seront là, ils seront visibles, ils seront efficaces, mais la population et les élus en seront avertis. Alors, Sébastien Lecornu avait annoncé un comité des signataires. Est-ce que nous avons la date exacte et quel est l'ordre du jour ? Alors écoutez, justement, le ministre Lecornu est en train de réfléchir avec les services du Premier ministre et en quittant cette salle après votre interview, j'irai en visioconférence avec le cabinet du Premier ministre. Donc c'est un sujet qui ne fait pas débat mais qui est à l'étude parce qu'il faut trouver une date qui corresponde à la disponibilité des uns et des autres. Hein, avec la crise sanitaire qui nous frappe, et bien évidemment, les relations avec la métropole sont plus complexes et les agendas des uns et des autres sont parfois difficiles à mettre au point. Donc là, le ministre et le Premier ministre devraient annoncer une date prochaine, je pense d'ici la fin du mois de juillet, un comité des signataires pourrait se dérouler, et je pense que le sujet pourrait notamment être, après une séquence de présentation de ce que sera la préparation, la montée en charge et la liste électorale dans la perspective du troisième référendum. Donc ça pourrait être une introduction. Je pense que le sujet ou les sujets pourraient notamment porter sur le 13, puisque le 13, nous aurons une majorité pour un oui ou une majorité pour un non. Et si c'est un oui, eh bien, il faudra travailler sur un protocole d'une sortie du giron français, entre guillemets, sur une période à déterminer, mais qui ne pourrait pas dépasser une vingtaine ou voire une trentaine de mois. Et ça, c'est à négocier et par bloc. Hein, par exemple, s'il y avait un transfert de l'immobilier, ça pourrait aller assez vite. Après, des compétences, par exemple la police et la gendarmerie, il pourrait y avoir une phase d'adaptation. Et si c'est le non, eh bien, c'est la suite de l'accord de Nouméa qu'il faudra voir, étudier, voir ce qui peut être transféré si c'est souhaité par une majorité et comment ça peut être fait, mais aussi une espèce de rétrospective en s'interdisant bien évidemment de faire une marche arrière sur le transfert de compétences, il ne s'agit pas de ça, mais de faire une rétrospective sur ce qu'a été ou ce qu'ont été les transferts de compétences, sur la réalité de l'exercice et voir s'il y a des améliorations à faire dans l'organisation pour que ce soit plus simple, peut-être moins coûteux pour l'ensemble de la collectivité et que, in fine, ce transfert de compétences soit totalement abouti après, on pourrait dire, cette période de transition et de complément éventuel de transfert de compétences. Patrice Faure, haut commissaire de la Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Le démantèlement des Blue Bottes reprend donc à résonner il y a 4 ans pour pêche illégale. Même si les débris seront broyés, certaines parties seront recyclées pour l'aménagement d'un futur espace de travail partagé. L'occasion de mettre en place une filière de démantèlement de bateaux de plaisance en Nouvelle-Calédonie. Nous écoutons Philippe Darasson, président du cluster maritime. Donc nous ici, on a déjà travaillé sur des moyens de financement. La métropole a légiféré il y a quelques années maintenant. Donc la filière de déconstruction existe, à nous de nous en inspirer. Ça peut partir de peut-être mettre en place des éco-taxes ou en tout cas des choses qui en amont. Ensuite, des moyens de financement à trouver parce qu'évidemment la déconstruction coûte cher. Et on a souvent des bateaux qui ont aussi des problèmes d'assurance. Il n'y a peut-être pas la place pour 10 opérateurs de déconstruction, on est d'accord. Donc on sait que chaque année, on peut avoir quelques dizaines de bateaux qui vont arriver sur le marché de la déconstruction. Donc c'est avec ce volume-là qu'il faut être capable de créer un moyen de financement comme on a su le faire sur les huiles, sur les batteries, sur les pneus. Dans le chapitre social, la SGT-INC annonce une grève illimitée à partir d'aujourd'hui au centre de la SLN de Népouy. Une décision suite à une panne technique qui est survenue sur le convoyeur après un chargement de minerais ce week-end. Pour le syndicat, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La production prime sur l'humain et l'état du matériel. Il réclame le renouvellement de la flotte des engins miniers, le renouvellement de la flotte véhicule léger ou encore la révision de l'organigramme du centre minier de Népouy.
La maison familiale et rurale de Pandimi continue sa montée en puissance. Après les 7 stagiaires en service civique, l'établissement accueille aujourd'hui 2 nouveaux jeunes. Une chance pour la fédération de la MFR qui n'aura rien à débourser. Les nouvelles recrues bénéficient du dispositif aidé par l'État. Les explications d'Aurélie Chian. Pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine, vous commencez à attaquer avec Pascal et les jeunes à mettre en place le poulailler en se disant que l'objectif, c'est que mi-juillet, il soit terminé. Les objectifs sont fixés dès le premier jour. La MFR en plein renouveau peut désormais compter sur 2 nouvelles recrues pendant 4 mois. Une aubaine pour Christopher, qui a le projet de se lancer en agriculture. Avoir de l'expérience d'agriculture, côté professionnel. On sait déjà toucher la terre. Avoir des connaissances plus approfondies, ce serait mieux. Son expérience professionnelle va être mise au profit de la MFR et inversement, l'expérience acquise lui permettra d'étoffer son curriculum vitae. Il a été retenu parmi une quinzaine de candidatures. Il y a 3 semaines, il a eu 5 minutes pour convaincre Rémi, le directeur. Présentez votre motivation, votre parcours de vie, si vous en avez un qui peut être intéressant. Un job dating auquel participe pour la première fois Chelsea, en service civique. C'est une façon d'être professionnel devant les autres personnes qui vont venir candidater. Et puis aussi, comme moi, je suis en service civique, ça me permet de... C'est une expérience professionnelle aussi. Le dispositif chantier de développement local comme celui du jeune stagiaire de développement permet d'encourager la formation. La fédération des MFR est la première association en province nord à en bénéficier. Les personnes qu'on a recrutées, nous, aujourd'hui, sont des jeunes qui ont un projet en lien avec l'agriculture. En gros, ce contrat-là leur permettra de développer des compétences ici à la MFR sur la ferme pédagogique et derrière d'avoir une pièce qui leur permettra de monter un projet en agriculture sur Ponérioin et sur Wailou pour ces 2 jeunes. Par ces dispositifs aidés de l'État, les entreprises et les associations s'engagent à accompagner les jeunes dans leurs projets d'avenir. Passons à votre feuilleton de la semaine. L'organisation des mariages se poursuit en Nouvelle-Calédonie. Cette année, la période sera l'occasion pour l'île de Lifou de mettre en pratique officiellement les réformes voulues par les autorités coutumières. Il y a quelques années déjà, suite aux proportions démesurées que pouvaient parfois prendre les cérémonies, après avoir observé les premiers effets de la réforme dans un mariage à la tribu de Louéchila dans le district de Wetch. Nous proposons ce soir de revenir en détail sur les chartes des districts de Wetch et de Gaïcha. Que prévoit-elle exactement? Les explications d'Audrey Pouedi et Henri Naïlolo. Raccourcir pour alléger. Voici l'un des objectifs de la réforme des mariages à Djihou. Cette initiative a vu le jour en 2014 dans la tribu de Mou, au sud de Lifou, le fruit de longs échanges entre les autorités coutumières des 3 grandes chefferies de l'île qui n'a pas vraiment été appliquée. Depuis l'année dernière, dans le district de Gaïcha, un groupe de travail a décidé de remettre le débat sur la table. À titre d'exemple, récemment, une tournée dans le district s'est faite afin de communiquer sur l'intérêt de cette réforme et l'importance de la mettre en pratique pour la période 2021. C'est les 20 dernières années, là, on peut dire ça. On a observé qu'il y a beaucoup de choses. Les mariages, c'est trop long. On mange mal. Il y a beaucoup trop de flux d'argent dont on ne sait pas où ça atterrit. Et ensuite, bien les gens ne dorment pas assez parce que les gens veillent tard la nuit, tout ça, donc ça pose des gros problèmes de santé. Dans le détail, voici ce qui change avec la réforme. Dans la forme, les mariages s'étalent sur une durée de 4 jours comprenant un jour de repos, en l'occurrence le dimanche, les noces étant célébrées le samedi. Jusqu'à présent, les mariages pouvaient s'étaler sur plusieurs semaines. Autre proposition de changement, dans la période dédiée au mariage qui s'étale entre juin et octobre, les mariages dans les tribus pourraient avoir lieu une semaine sur 2. Pour ce qui est du fond, 2 grands changements sont à noter. À commencer par les dons, où les produits locaux et vivriers, comme les ignames, sont privilégiés à l'argent. Autre grand changement proposé, c'est le partage des coutumes reçues par les familles et clans du garçon. La réforme propose de la diviser en 2 parts. Une partie revient aux jeunes mariés et l'autre aux parents de la jeune fille pour ce que l'on appelle le zanéfi, en français le sein maternel. Je pense que l'un des objectifs de la réforme, c'est de refonder le lien, mettre l'homme au centre. Ce serait bien qu'après ces premières semaines, qu'au milieu de l'année, avant que la période ne se termine,
que les forces coutumières voient un petit peu l'évolution des choses. À l'issue de la saison des mariages en octobre, il est prévu que les autorités coutumières se réunissent pour dresser le bilan de cette première mise en pratique à l'échelle de toute l'île. Voilà, et pour la suite du feuilleton demain, après le contenu de la réforme et leur mise en pratique, demain vous verrez les limites de l'exercice, les points qui sèment la discorde et les solutions envisagées pour y remédier. Culture, pour refermer cette édition, la femme dans tous ses rôles, c'est le thème de l'exposition Les Feuilles Blanches du collectif Les Lignes Rouges, le fruit d'un travail de 4 femmes qui ont mélangé leur univers artistique mais aussi leur vision, un parti pris intimiste et féministe à découvrir jusqu'au 26 juin au château Hagen dans la commune de Nouméa. Izia Okoué Metogo et Audrey Poédi vous en proposent un avant-goût. Dans cette exposition, nous avons travaillé par beaucoup de techniques différentes. Donc la couleur rouge, effectivement, est répartie par tous. Le rouge, c'est aussi le rouge du sang, c'est aussi le rouge de la protestation, c'est aussi le rouge de la vie. Ça a beaucoup de symbolique. Et puis le blanc, l'exposition s'appelle La Feuille Blanche. Donc le blanc, c'est aussi cette volonté de repartir sur une feuille blanche et de recommencer à neuf. Le château Hagen, qui est un lieu culturel important à Nouméa, donc nous avons pris la responsabilité de prendre la parole dans un lieu public. Pour nous, c'était très important. En tant qu'artiste, en tant que femme, nous avons des sujets en commun qui étaient assez urgents, dont l'environnement, le féminisme, l'inceste, les chiffres sont là, les féminicides. Et donc, nous avons dit, en tant qu'artiste, notre rôle dans la société est de lancer certains sujets qui sont nécessaires, importants, à débattre. C'est une modeste contribution. Et le travail de l'artiste, c'est vraiment ça, c'est de montrer des aspects de la société, des problématiques actuelles pour faire justement avancer la société. On peut se dire que notre but est atteint puisqu'on a réussi à toucher des gens et aussi à se mettre en lien avec d'autres associations qui travaillent pour justement plus d'équité dans la société. C'est la fin de votre journal. Merci de votre attention. À 19h25, retrouvez votre magazine Vacances en camping-car. Belle soirée en notre compagnie.